now have a tribute to Konstantinos Karamanlis by Professor Konstantinos Svolopoulos. I believe he has chosen to speak in French, but an English translation is available. And I think you'll also see some of the contents besides me and behind me. Thank you very much. Yes. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, Monsieur Constantin Karamanlis a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de la politique de participation active de son pays au processus d'intégration européenne. Ayant opté dès le début, au lendemain de la fondation du marché commun, pour l'adhésion de la Grèce, alors en voie de développement, comme premier État associé, il a 20 ans plus tard obtenu son admission comme 10e membre de communauté. Quelle a été toutefois cette Europe à laquelle il avait instamment souhaité la participation de son pays? Une référence sommaire aux critères qui ont déterminé ce choix serait nécessaire afin de mieux expliquer notre présence en ce lieu au nom de la Fondation Konstantin Karamanlis. Karamanlis avait très tôt visé à une Europe unie dans l'espoir qu'elle assume un rôle fondamental, non seulement dans le domaine culturel qui lui est assigné, mais également dans celui de la politique. Son attachement à l'idée d'une participation hellénique n'a pas été le produit d'un choix politique obligé ou d'une simple opportunité, mais il a été celui d'une personne ayant foi dans un destin commun au peuple du continent européen et soucié de vouloir donner une réponse à un défi majeur du XXe siècle. Ma propre contribution à l'idée de l'unification européenne n'est peut-être pas grande. Ma foi, néanmoins, à l'avenir de l'Europe est grande et constante, avait-il souligné lorsqu'on lui ont annoncé la remise du prix Charlemagne. Dès la fondation de communauté européenne, il avait plaidé en effet la cause de l'Union comme celle d'une nécessité historique, plus impérieuse encore qu'est la chassesse dans le sens qu'elle lui donne Euripide. Quelle devait être l'image de cette Europe telle qu'il la concevait? Quels ont été les paramètres stratégiques qui devaient conditionner les options tactiques de ces organes? Dès le départ, le manque de précision sur sa finalité, un manque de clarté dans des formes plus avancées de coopération, laissaient à ceux qui suivraient la responsabilité de l'éclaircissement. Certes, d'une manière générale, on aurait pu supposer qu'à l'origine, le but stratégique faisait souligner l'orientation surtout politique. Néanmoins, Karamanlis insistait sur l'affirmation de cette tendance de manière plus ferme et plus encore sur le choix, à l'inverse de la pratique qui a été jusqu'alors suivie, d'un itinéraire qui va du général au particulier afin d'éviter les obstacles qui s'interposent. Les Européens devaient insister tout d'abord sur les éléments politiques et culturels qui les unissent, partageaient avant tout les idées de la paix, de la liberté, de la démocratie et de l'humanisme. Tel était, à son avis, le champ d'action prioritaire. Quelles auraient dû être les frontières de l'Europe, les critères qui déterminent l'étendue
de son territoire. Question toujours actuelle, qui souvent provoque des discussions, voire des divergences. Caramanlis n'a certes jamais admis une conception géographique basée sur des schémas circonstanciels créés dans le passé par la force. L'Europe, loin d'être une formation politique, répondait à des impératifs occasionnels, une notion géographique abstraite ou une conjonction des territoires bien délimités appartenant aux États-nations doit, cette Europe, doit exprimer une philosophie propre à un certain mode de vie. Tels sont les critères que Karamanlis mettait en avant dans la définition des limites d'une Europe unie. Cette Europe était appelée à jouer dans le monde un rôle majeur. Dans l'unification de ces peuples, Karamanlis voyait le moyen pour la liberté, la paix et le progrès de s'affirmer au profit de peuples eux-mêmes, mais aussi à l'échelle de la planète tout entière. L'Europe pourrait représenter la mesure, offrir l'équilibre et apaiser l'inquiétude qui règne dans le monde. Néanmoins, pour remplir cette tâche, il s'imposait que, loin de tout lien de dépendance, s'établisse une coopération d'égal à égal avec toutes les grandes puissances et particulièrement avec les États-Unis en tant qu'unique superpuissance après 1990. Telle est l'idée que Karamanlis se faisait de l'Europe, à laquelle il a aspiré avec ferveur. Or, la déception n'a pas manqué à chaque fois qu'il constatait que le pas décisif qu'il attendait ne se faisait pas dans la direction qu'il aurait voulu. Il dénonçait les préjugés nationalistes et les conceptions conservatrices qui s'interposaient comme des obstacles à la réalisation de l'intégration, comme un arbre cache la forêt. Bref, il s'inquiétait de l'incapacité de l'Union européenne à donner une réponse décisive et nette aux problèmes majeurs qui entachaient les relations internationales. Ces remarques, à l'occasion du Jour de l'Europe, le 8 mai 1993, 5 ans avant sa mort, sont caractéristiques. Tandis que autour, mais aussi au sein de l'Europe, l'instabilité et l'incertitude s'installent, celle-ci apparaît peu disposée d'assumer les rôles qu'elle lui impose, les circonstances et les problèmes qui lui surgissent dans sa propre même ère géographique. Voilà quelques idées fondamentales de Karamanlis sur l'Europe unie telle qu'il avait conçu.